profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. J'ai repris contact avec la femme que j'ai épousée. Les choses avancent, mais lentement. À chaque nouvelle pierre que je tourne, j'apprends de nouveaux détails, tous plus troublants les uns que les autres. En toute honnêteté, je commence à douter de ma propre santé mentale. Peut-être suis-je en train de délirer. Ce que je sais, c'est que même si je délire, tout cela est réel pour moi. C'est ma réalité. C'est ainsi que je l'aperçois. Et je n'ai pas d'autre choix que d'y faire face. C'est ce que je vais continuer à faire. Donc, Béatrice. J'ai commencé à me renseigner un peu plus sur elle hier. J'ai interrogé quelques personnes sur l'agitation qui régnait lors de la réunion. Cela a conduit à de nombreuses impasses. Cette personne l'a entendu de quelqu'un d'autre, qu'il a entendu de quelqu'un d'autre, etc. Il est clair que ce n'était pas aussi important que je l'avais pensé au départ. Il s'agissait simplement d'une réunion d'anciens élèves dans un bar. D'après ce que j'ai entendu, elle n'était pas la seule personne ne faisant pas partie de la réunion à errer dans les parages. Et la liste des invités était finalement peu crédible. Quoi qu'il en soit, Sylvain est le seul à se souvenir spécifiquement d'avoir vu Béatrice à la réunion. Sylvain fait partie du comité des retrouvailles. Il n'est arrivé dans notre lycée qu'en dernière année, alors je ne sais pas vraiment comment il s'est retrouvé à coordonner la réunion. Quoi qu'il en soit, il a dit qu'elle n'était restée que 15 minutes et qu'il ne l'avait pas reconnue. Il insiste sur le fait qu'il m'a vu lui parler. Voilà pour sa crédibilité. Il était probablement ivre. Par ailleurs, j'ai finalement reçu une réponse au texto d'hier après-midi, après avoir été laissé dans le suspense pendant plus d'une journée. Pour rappel, le message que j'ai reçu disait « Pourquoi tu t'es enfui si vite hier soir ? Il y a quelque chose dont je dois te parler et c'est important. Est-ce qu'on peut se parler ?» Ce à quoi j'ai répondu « Qu'est-ce que tu veux dire ? Qui est cette personne ?» Voici ce que le nouveau message disait. « Daniel, je n'aurais jamais dû te laisser derrière moi. La femme avec laquelle tu es mariée n'est pas celle que tu crois. Il y a quelque chose que tu dois voir. » Je lui ai répondu tout simplement « Amélie ?» J'ai reçu une réponse dans les 2 minutes cette fois-ci. La réponse disait « On est allé voir un film en 3e. Tu as essayé de m'embrasser et j'ai éternué. Tu te souviens où on était assis ? Va là-bas et passe la main sous le siège. Envoie-moi un texto quand tu l'auras. Et Daniel, assure-toi de supprimer ces messages. » Je savais exactement de quel siège elle parlait. C'était l'une de mes histoires préférées quand nous étions plus jeunes. Ma femme ne se souvient même pas de tout cela, alors qu'elle l'a vécu. Comment est-ce que la personne des textos pourrait être au courant ? Je suis allé directement au cinéma. Logiquement, je me suis dit que c'était probablement une mauvaise idée. C'est peut-être un piège, j'en suis conscient. Mais j'y suis allé quand même. Quoi qu'il en soit, le cinéma était fermé lorsque je suis arrivé. Il fallait attendre lundi. Alors je suis rentré chez moi pour la nuit. Avez-vous fait déjà un de ces rêves où, sachant que vous rêviez, vous vous dirigez intentionnellement vers un danger, juste pour voir ce qui se passerait ? Vous avez couru vers le tueur en série, ou vous avez nagé plus profondément dans l'eau, loin de la surface ? J'ai l'impression de vivre l'un de ces rêves. Au fil des jours, cette situation commence à me peser. Et Amélie, ma femme, je pense, s'en aperçoit. Il faut que je mette un terme à tout ça. Je ne mange pas beaucoup, je me sens un peu détaché. Je ne dors plus beaucoup non plus. D'ailleurs, l'affection avec ma femme est inexistante. Je lui parle à peine, à ma femme, et je passe toutes les nuits sur le canapé. J'ai pris un somnifère hier soir et je me suis couché tôt. Ce matin, j'avais prévu de quitter le travail un peu après le déjeuner. J'ai donné la fausse excuse que j'avais rendez-vous avec quelqu'un d'important, et je suis allé récupérer ce qui se trouvait sous ce siège. Je suis allé au travail, j'ai fait ce que j'avais à faire,
et 1h de l'après-midi est arrivée, et je me suis donc rendu vers le cinéma. Je commençais à me sentir un peu nerveux, maintenant qu'il était temps de passer à l'acte. Maintenant que je n'ai plus le temps pour réfléchir aux résultats possibles. J'ai acheté mon billet, et je suis entré dans la salle bien avant l'heure. Heureusement, il n'y avait personne. Cela faisait des années que je n'y étais pas allé. Le cinéma a clairement été rénové. Je me suis dirigé vers la même zone générale où nous étions assis il y a plus de 10 ans. J'ai cherché sous quelques sièges et je l'ai trouvé. C'était une enveloppe. C'était exaltant, comme une chasse au trésor. Je n'arrivais pas à croire que je l'avais trouvée si facilement. Une partie de moi se demandait si elle m'observait à ce moment-là, la fameuse personne des textos. J'avais l'impression que c'était le cas en tout cas. Peut-être que c'était juste les nerfs. Je ne voyais personne d'autre à l'intérieur. Je n'ai même pas envisagé de rester pour le film après avoir trouvé l'enveloppe. Au lieu de cela, je me suis dirigé vers ma voiture pour déchirer l'enveloppe. Des notes confidentielles d'enquête sur un homicide. Un rapport d'homicide. Voici ce que les notes disaient. Document confidentiel. Note de rapport de l'homicide de le 2009. 6. 0. Les déclarations des témoins comprennent les rapports de police antérieurs. Voir le glossaire pour les rapports complets. 6. Clause 1. Le harceleur est découvert dormant sous le lit des témoins, remarqué pour la première fois par la colocataire. 6. Clause 2. Plainte selon lesquelles le harceleur l'attendait après les cours et la suivait jusqu'à son domicile. 6. Clause 3. Le harceleur se serait introduit à plusieurs reprises dans la chambre de la victime, emportant des vêtements. 6. Clause 4. Des centaines d'appels téléphoniques bloqués chaque jour. Numéro introuvable. 6. Clause 5. Pneus crevés. 6. Clause 6. Plainte concernant un véhicule non identifié qui a quitté intentionnellement la route. 7. Le témoin n'a pas été en mesure de fournir une description visuelle utile du harceleur. 8. Clause 1. La nuit de l'incident, le véhicule du témoin a roulé sur un talus. 8. Clause 2. Lors de l'inspection, des marques ont été trouvées sur les câbles des freins, partiellement coupées. 8. Clause 3. Mère de tué lors de l'impact du véhicule. 8. Clause 4. Nom, prénom. Âge, 19 ans. Gravement blessé, a survécu. Transporté par avion à l'hôpital, état critique. 9. Nom, prénom. Placé dans le programme de protection des témoins. 10. Le rapport d'accident sera entièrement classifié. Nom, prénom. Doit être mentionné comme mort dans le rapport d'accident. Je ne sais pas ce que je dois penser de tout cela. C'était la première fois que j'avais l'impression que ma famille était en danger. Je suis en possession d'un document confidentiel, envoyé par quelqu'un que je ne suis même pas sûr de connaître. Je ne vais évidemment pas renvoyer un SMS tout de suite. Je dois continuer à me renseigner. Il n'y a absolument rien d'identifiable dans le document, car la plupart des dates et des noms ont été complètement effacés. Mais une seule date était visible. C'était dans le titre, 2009. J'ai fait quelques recherches et je n'ai rien trouvé non plus en ligne pour corroborer tout cela. Il s'agissait peut-être d'un faux document. Je ne sais pas exactement ce que je m'attendais à trouver, mais j'ai besoin de quelque chose, n'importe quoi. J'étais en première année à l'université en 2009, lorsque cette histoire semble s'être produite. L'histoire elle-même ne semble pas vaguement familière. Elle est évidemment confidentielle et je ne m'attendrai donc pas à en avoir entendu parler dans les médias. Mais ce n'est même pas quelque chose que j'ai entendu par le biais de mes amis. Je vais passer plus de temps à faire des recherches et à relier les points. Je pense que j'enverrai probablement un SMS en réponse au numéro inconnu à un certain moment. Après plusieurs heures à faire des recherches dans le vide, ne menant à aucun résultat, je décide de me coucher vers 1h du matin, une fois de plus sur le canapé. Je fais en sorte de bien cacher le rapport d'homicide dans mes affaires de travail, au milieu de tous mes contrats. Ceci également bien caché dans ma serviette en cuir. Je me suis réveillé 2 heures plus tard,
à cause d'un gros bruit dans la cuisine, mais il n'y avait personne. Comme j'étais debout et que cela me tracassait de ne trouver aucune information sur le rapport, je décide de continuer mes recherches. Mais... attendez. Ma serviette en cuir est ouverte. Je ne trouve pas la note au milieu des contrats. Le rapport n'est pas où je l'ai laissé. Elle sait. Je dois partir.